Bonsoir à tous. Ce soir, je vais vous montrer un dessert vietnamien. C'est un dessert très simple à faire et régime parce qu'il n'y a pas du beurre du tout et c'est fraîche. C'est un dessert qui fait à la base des algues. Vous trouvez ce sachet-là dans le supermarché asiatique, Zapen Agar Agar. C'est à base des algues. Donc, j'ai utilisé seulement moitié sachet, je n'ai pas tout pris. Un sachet contient environ 40 grammes, c'est beaucoup après, hein. Donc, je mets de l'agar dans l'eau et on mesurait pour un bol de agar, on va prendre deux quantités de l'eau. Et si je voudrais faire avec du lait coco, je vais déduire moitié de l'eau et remplacer par du lait coco. Après, c'est sûr que pour faire ce dessert, on a besoin de sucre. Et ceux qui aiment, on peut utiliser des parfums couleur vert, des colorés, des couleurs pour les repas de sucre vanille. Ici, j'ai utilisé trois couleurs. Violet, orange, rouge on dit, et couleur vert. J'ai utilisé le moule sapin. Vous pouvez trouver ce moule-là partout. Ou ce moule sapin-là, on utilisait pour faire le déco pour Noël. Voilà, ça vous trouvez dans le supermarché asiatique. J'achetais avant à Paris. On commence. Je renversais un bol de l'eau dans la première casserole. Et je versais demi-bol de l'eau dans la deuxième casserole. Ce demi de l'eau, je vais remplir tout à l'heure avec du lait coco. Ceux qui aiment le lait coco, mais si vous n'aimez pas, vous ne mettez pas du lait coco. Ça, il faut attendre l'eau chaude pour mettre du lait coco. Mais avant, pour faire mettre du lait coco, il faut déjà faire cuire des algues, des agar-agar. Donc ça, ce bol-là, je partageais en deux casseroles. Faire cuire des agar-agar, des algues, à feu doux. Jusqu'à les algues qui fondent dans l'eau avant de mettre le sucre. Fermez le couvercle, comme ça il cuit plus vite. Surveillez les algues. Une fois vous voyez qu'il a fondu dans l'eau, maintenant on peut rajouter du sucre. À côté là, c'est que de vanille de sucre. À côté là, je vais rajouter du lait coco dedans. Je vais rajouter du lait coco demi-bol dans la deuxième partie pour créer deux couches, une couche de vanille et une couche de lait coco. Je vais mettre une louche de sucre. D'un côté là, le côté de vanille, sucre transparent. Après, si vous aimez mettre de couleur, vous pouvez mettre maintenant. Mais comme je crée un moule de sapin, je l'attends et je mélange de couleur à la fin. À côté du lait coco aussi, je vais mettre aussi un sucre dedans. Et c'est à vous à déguster pour voir si le sucre c'est à votre goût. Hein. Parce que si vous aimez plus le sucré, vous rajoutez plus de sucre. Et si vous n'aimez pas trop sucré, vous rajoutez moins de sucre. C'est à vous de décider. Plus sucré ou moins sucré. Moi, je trouve pas assez sucré.
Pour cela, j'arrose encore une cuillère de sucre. C'est-à-dire deux cuillères pour moi, cela. Et le côté du lait coco, c'est la même chose. J'en rajoute encore ces deux cuillères de sucre. Parce qu'après, quand on met dans le frigo, on refroidit, il va moins sucré. Le sucre vanille, je vais partager en deux casseroles. On bien mélange. Et pour ceux qui aiment bien le parfum de fleurs oranges, vous pouvez rajouter dans le côté de transparent. Le agar des Halles transparent. Mais pour le lait coco, vous pourrez rajouter le parfum ou vous pouvez rajouter le parfum comme ça. Ça peint de parfum de pendant. On peut mettre dedans. Et moi, je vais rajouter à la fin pour la couleur. Maintenant, je vais commencer à mélanger le liquide transparent avec la couleur. C'est le côté de liquide transparent, là, les âmes transparentes avec la couleur, pour créer les couleurs de boule. Pour la couleur, vous pouvez utiliser la couleur pour faire le gâteau. Vous pouvez utiliser le sirop de couleur, sirop de fraise, sirop de menthe pour donner couleur. Ou sinon, vous pouvez faire les couleurs que vous créez vous-même avec des légumes à la maison. Légumes, les fruits, par exemple les fraises, les cerises dans le rouge. Bon, on doit faire étape par étape, hein, les couleurs par couleur. Pendant ce temps-là, il ne faut pas éteindre le feu parce que deux casseroles, toujours garder chaud. Parce que si vous éteignez le feu, le agar, les ânes, va congèle. Et quand vous mettez des moules, certaines vous débordez un peu. Vous prenez un cure-dent, vous enlève les morceaux qui n'a pas beau. Parce que sinon, après, ça risquait de. Comment dire? Les moules qui sortirent le sapin avec un peu de couleur partout. Vous enlève. Je continue. Je mélange une couleur violet. Si vous les aimez plusieurs couleurs, vous pouvez créer plusieurs couleurs. On va continuer avec le vert. Je rajoute un peu de blanc pour une plus claire. Un peu français. Ça, c'est bien. Ça, la première partie, il faut laisser commencer à geler avant de rajouter la couche de lait coco ou de couche de vernis. Bon, comment on voit que le moule, ça a commencé à geler.
les agaves, les ailes à geler. En ce cas-là, on commence de rajouter la couche de suite. Il ne faut pas laisser encore pas assez gelé parce que sinon vous risquez de comment dire le nouveau qui va rentrer dans d'autres couleurs et qui va perdre couleur et vous rajoutez délicatement d'eau gelée dessus. Je mets le gelée transparent et puis je vais le gelée de coco à la fin. Comme ça, on va avoir des couches. Mais doucement, comme ça, délicatement. Les deux côtés moules là aussi, je vais rajouter. Là. Je vais vous montrer pour le moule. Comme ça, vous pouvez faire un dessert en Noël différent avec le sapin. Une fois que le couche gelée transparent de vanille, ça commence à geler, vous pouvez maintenant rajouter la couche de lait coco, mais rajouter avec délicatement. Et pour faire plus vite, vous pouvez placer le moule dans le frigo, mais faut faire très attention pour ne pas renverser la couleur. Voilà. Voilà, le lait coco toujours sur la cuisine, la cuisson à feu minimum pour qu'il ne peut pas geler. Parce que si vous arrêtez la cuisson, il ne refroidit, il va geler automatiquement. Maintenant, c'est la même chose. Vous rajoutez délicatement. Pas trop. Il ne faut pas renverser trop dedans parce que sinon, votre déco va pas très beau après quand tout le couleur mélange. Ça c'est la couche du lait de coco. On va mettre aussi sur cela et on va revenir sur d'autres. Je vais vous montrer sur deux moules. Vous pouvez faire n'importe quel moule. Voilà, maintenant, vous voyez, les ailes, les agar-agar étaient gelées. Donc, juste maintenant, démouler. Prends le couteau pour les autour. Avant de coucher dans l'assiette, pour les mouler délicatement. Voilà, le gelée était prête. Et ceux des autres aussi avec d'autres moules. Voyez, il faut les mouler délicatement et n'oubliez pas de laisser bien dans le frigo pour qu'il les bien congèle avant de démouler. Maintenant, je vous souhaite un bon appétit, un joyeux Noël et à bientôt sur la prochaine vidéo. Au revoir.